N'ayant pas trouvé de tuto pour construire un e-peigne amovible, je me suis lancé et je vous en partage mon expérience. Le but était de pouvoir changer de véhicule et récupérer le e-peigne. On commence par la réalisation du cadre intérieur et du cadre extérieur. Pour reporter les trous, il est bien utile de garder un gabarit et de mettre un petit scotch sur le forêt. Et voilà, ça coulisse parfaitement. Mise en place de la latte intermédiaire et des lattes extérieures. Les lattes sont découpées de chaque côté pour conserver le galbe. Et voilà une bêtise. Attention à l'usure du scotch sur le forêt en fin de séance. Heureusement, il y avait une plaquette à coller. Pareil à partir en voyage.